rapport au précédent match, on a senti une équipe qui était vraiment soudée. On a senti une équipe qui avait vraiment la volonté de pouvoir ramener 3 points, mais ça n'a pas été le cas. Comme je le dis toujours, le plus important, c'est de ne pas lâcher. Et c'est ça qui fait la compétition. Il faut que tous les matchs soient comme ça. Toujours pousser, avancer, quel que soit ce qui va se passer dans un match. Quand tu es un compétiteur, c'est embêtant aussi de prendre un nul, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur. Quand tu joues pour gagner, tu joues pour prendre les 3 points. Donc un nul, c'est normal que ça énerve. Mais comme on le dit toujours, le plus important à l'extérieur, c'est de quand même ramener un bon point de là-bas. C'est ce qu'on a fait. Hein. Chamois-Niortais, c'est une équipe à ne pas négliger. Rester concentré comme on le fait depuis le début de saison. Les prendre comme toutes les autres équipes. Jamais, jamais négliger une équipe dans ce championnat. Et c'est ça qui va nous faire avancer et c'est ça qui va nous faire gagner des points. Je pense que la plus grosse erreur, ce serait de se laisser surprendre. Ce genre de matchs, c'est des matchs pièges. Donc il faut rester beaucoup, beaucoup concentré, beaucoup vigilant. Tout ce qu'on fait doit être coordonné et c'est sûr que la victoire nous reviendra. Moi, l'ambiance, donc il n'y a pas de problème pour ça. S'il faut qu'on ambiance toujours le vestiaire, on va toujours ambiancer. Et il y a des bonnes personnes ici. Tout le monde apporte sa bonne humeur. Le groupe vit bien au vestiaire, donc on est bien entre nous. Il y a une bonne communication, surtout. Après, il y a d'autres qui sont aussi timides, mais ils rentrent aussi dans la danse, quoi. C'est ça qui fait progresser une équipe. D'abord le vestiaire, et après le reste, ça vient tout seul. Parce que les qualités, on les a.